أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط <سؤال> المستقيم صراط الذين أنمت عليهم غير المكدوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم ربي زدنا علما ولا أغمتنا نولج إفين دي كوران آمين 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 Donc okay. j'espère que tu pourras lire ça, n'est-ce pas? Al kuru al karim. Al kuru karim. On y va. On avait commencé la surat fatia, n'est-ce pas? On a, on a fait les deux. Okay. Alhamdu lillahi. Attends, je vais mettre mon, mon laser là. Alhamdu lillahi rabbil alamin. Aarrah Mani Rahim. La fois dernière, je t'ai dit pourquoi on n'a pas dit ar, ar, on a parlé Al-Ra, Al, et on a dit Ra. C'est les lettres-là que je vais t'amener aujourd'hui. Pour que tu te rappelles, ce sont les lettres soleil mm -hmm. et les lettres, euh, 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 les lettres euh, lune. Les lettres soleil. Je dis pour que je me rappelle, le soleil brille beaucoup de telle façon que le al qu'on doit dire le l'âme le Lam, on l'ignore. Ok? Et ces lettres là, ce sont ces lettres là. Si tu vois al après cette lettre là, tu ignores le le al. Tu as vu ça? C'est rare. ça c'est la lettre R, n'est-ce pas? Ok? Si je retourne ici, ok? La lettre A. Il y a Al qui vient avec ça. Comme c'est une lettre soleil, elle a brillé de telle façon que le, le Al, on ne l'a pas vu. Donc on dira Arrah. Ar le L, on l'ignore. Arrah. Mani. Hmm? Ar Rahim. Arrahim. On ne va pas dire Al-Rahim, mais on dira Arrahim. Ok? Ok. La différence de ces deux là, Al", ça vous dit le, ok? C'est ton téléphone? Ok, allez-y. Mm -hmm. Voilà, j'ai amené les lettres soleil et les lettres lune. Les lunes, quand tu vois lune, par exemple la lettre, cette lettre là, tu la connais, n'est-ce pas C'est Aïn. Aïn est là. Donc on doit dire alham okay? Donc c'est pour cela on dit Bil le L est appelé Bil okay? Alamin on ira petit à petit ok euh, pour le moment il faut pas que je, je te bourre avec trop de choses ok donc <coughs> j'étais pour, pour justifier pourquoi on on dit pas ça ok maintenant on a lu hier la fois dernière jusqu'ici Rahman rahim ok on va aller ajouter ces deux ces deux lignes là ok, okay? ça c'est la lettre quelle lettre mim on a donné le son a ah, qui est ça c'est la lettre l'am on lui a donné le son I. Et ça, c'est la lettre. Ça, tu peux pas... Oh. <laughs> ça, ça... Moi, je ne peux pas vous tromper. <laughs> ça, c'est la lettre K. K. Au lieu d'un leçon. Ça, c'est la lettre Ya. Avec les deux pieds, n'est-ce pas Ya. Au lieu d'un leçon. A. Ça, c'est la lettre kai. Wow. Elle est silencieuse, n'est-ce pas Ça, c'est la lettre Mim. Au lieu d'un leçon. OK On va lire ici. Maliki Yaoumi Dine. D'ici la lettre Dal. La lettre Dal, elle est quoi Est-ce qu'on est qu va prononcer le « L » là ou est-ce qu'on va pas le prononcer On regarde. Ça, c'est la lettre Dal. Où est-ce qu'elle fait partie Dal est là. OK Donc, le « L » sera éliminé. OK On va aller directement. mit Dini. Ok? Parce que la lettre est doublée, le, the doublé, le all, on le dit pas, on va directement sur le dal, et il est doublé au-delà de la leçon i, qui est long, et le nun, qui est à la fin, il est au-delà de la leçon i. Maliki Yaoumi Dini. Ok, et encore un mot, une fois. Maliki Yaoumi Dini. Ok, allez-y, toi, allez-y. Voilà, c'est très bien. On va prendre l'autre. Celle-là, c'est la lettre Alif. On a donné le son euh, I, n'est-ce pas? Hamza, il est venu l'aider. Hamza, cette fois-ci, Hamza a dit, Alif, hmm, tu m'as apporté beaucoup de temps là. Cette fois-ci, je vais te Moi que tu souffres. Je vais OK Donc, Alif est ici. Et il a, Ali, uh, Hamza est ici et on lui a donné le son I. Ça, c'est la lettre, quelle lettre celle-là Qui a deux pieds en bas. Ça, c'est la lettre ya yeah. OK on, Elle est doublée on lui a donné le son A.

Ia ka oui, dit, dit, i » j'ai dit j'ai dit j'ai 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 mis un petit une petite pause pour montrer que le ya » est doublé et j'ai mis j'ai mis ça j'ai tiré ça pour dire qu'il est long Ia ka » ok mm -hmm. on va laisser ça c'est la lettre nun okay? la seule lettre qui a un point comme ça au dessus c'est nun ok si c'est si passe, c'est la seule ce colonne Sinon, c'est F. Okay? Fa, qui a aussi un point au-dessus. Okay? Celle-là, c'est Noun. Et ça, c'est Aïn. Tu as vu, c'est petit truc là. On ne peut pas le, On peut pas le, le, le confondre avec Mim. Il a un petit truc qui fait, une petite tête qui fait derrière là. Aïn, okay? est, il est silencieux hier Et ça, c'est la lettre. Et la lettre qui a un, un point en bas, c'est Bar. N'est-ce pas? ok on a la leçon OU. Ça, c'est la lettre DAL. DAL, OK? On a la leçon OU. OK? NAH. Ça, ça, il faut vomir. la Boudou. OK? non il y a certains arabes, quand ils récitent, ils disent ça. Ça sort parfait. Il y a d'autres qui viennent réciter, tu n'entends pas ça. Tu n'entends pas ça du tout. Non, oh, il y a, a l'imam, il, il est pakistanais, et lui avec son frère, ils sont tous des, des hafis dans notre mosquée où l'on va les vendredis pour faire nos trucs là. Non, le gars là, sa façon, il a, ils, ont dit, ils ont écrit là-bas, pas d'enregistrement, pas de caméra, pas d'enregistrement. Mais je le connais bien, un jour je vais lui dire, attends, quand on va prier, moi je vais enregistrer, je veux faire écouter ça à quelqu'un. Le, le, il y a un Sénégalais là-bas, un vieux djagne, qui m'a dit les gens sont venus lui demander pour enregistrer. Il a dit non. Pour, pour enregistrer dans les, dans les CD envoyer les gens. Il a dit non. Sa voix, elle Les deux, ses deux frères. Tellement. Non, c'est trop bon. Na, quand il dit ça, ça sort très bien. Non, na, na Boudou. Non, Boudou. So, il faut essayer de vomir un peu. Hein. Naaboudou. Mais quand on récite très vite, Naaboudou, ça, ça va très vite, ok? C'est Naaboudou. Allez-y. Naaboudou. Voilà, ok? C'est essayer de vomir un peu. Naaboudou. Voilà. Ok, ça, c'est la lettre Wow. On a le son A, ok? Ça, c'est la lettre Aïn avec le son, avec son frère euh, comment s'appelle Hamza qui est venu l'aider mais le gars là il a poussé le Hamza de ce côté parce que le waouh est très venu très loin il n'a pas de place pour le mettre il a poussé un tout petit peu vers là ok n'oublie pas encore c'est quelqu'un qui écrit et avec sa main euh, il a juste comme il veut <laughs> ok la première fois que j'ai commencé à prendre le Coran pour le lire je me suis dit ça ça c'est quoi ce trait là <laughs> Je me suis posé la question, ça c'est quoi? Et un gars m'a dit: Non, bref, ça, tu n'as pas vu la, 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 la Kaba? J'ai dit: J'ai vu. J'ai dit: Tous ces trucs-là, c'est pour rendre joli. Elle a dit: Ah, ok. Donc, ici, il a mis le alif et il n'a pas de place parce que la queue de wow est venue très loin. Il a déplacé au tout petit peu à l'écart, ok Donc ça, c'est Alif avec Hamza qui est venu l'aider. On dit « iya, iya ka ». Ça revient ici, la même chose, hein ?« Iya ka na i iya ka nasta inu. Iya ka na nun sin du salum, sin de sin salum. Ta, ta, La ça « ta » qui est « plate, ok ok et ça c'est Aïn, qui est, on lui donne le son I, et qui est, qui est long, et ça c'est la lettre Noun, on lui a donné le son OU. Ok? Nastaïn. Ok. Ça, ça, je me rappelle quand on a commencé à étudier l'arabat, à notre mosquée. C'est notre professeur ici, ici, à, pas à Michigan, mais ici à, à, à Arizona. Le, notre professeur arabe, c'est un professeur de l'université qui est ici. Il est professeur, je pense, de, de, de physique. Physique ou météorologie Et Quelque chose. Non, agriculture, agriculture. Il est professeur d'agriculture parce qu'il m'a dit que oh, les, les, les Égyptiens étaient les premiers producteurs de, de coton. Et maintenant, les Américains les ont battus parce qu'ils ont inventé une façon de faire que certains cotons, tu, tu, tu ne repasses pas. J'ai une chemise ici, tu ne la repasses pas. Tu la laves et tu la, on dirait qu'elle a, qu a, qu a été repassée. Euh, C'est lui qui m'a dit, je lui ai posé la question. Ça, il y a ka. Il y a Qu'est-ce que cela veut dire C'est traduit dans le Coran, n'est-ce pas Je l'ai regardé. You alone, vous seulement. Voilà. Toi, ça, K, ça veut dire, euh, on va aller voir, c'est ton, ton pronom euh, attaché. K, c'est ton pronom attaché à, 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 à ce mot-là. Il euh, y a K, ça veut dire toi seul. Je lui dis, est-ce que je peux l'utiliser pour dire euh, 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 quelqu'un, toi seul Il me dit non, 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 non. <laughs> Par exemple, toi seul je t'aime, n'est-ce pas Il dit non, ça tu peux pas. <laughs> ça seulement c'est pour Dieu. Il dit ah thank you very much. Toi seul tu peux pas l'utiliser pour quelqu'un d'autre. Il y a seulement que pour Dieu. C'est ce qu'il m'a dit. Ya ka na budo, na budo. Ça aussi c'est un pronom qui est attaché à ce verbe là. Qui veut dire na, na nous ça veut dire nous ok qui est attaché à vrai Boudou, ah c'est vous honorer n'est-ce pas wa ya »« ka wa c'est un on appelle ça ataf conjonction de coordination ok c'est ok il joue trois rôles des fois conjonction de coordination ou bien dieu l'utilise pour swear Donc « swear dit, pour jurer et aussi euh, ça veut dire des fois quand par exemple, je suis rentré dans la mosquée quand l'imam était en train de parler quelque chose. De quelque chose. Il joue ce rôle-là, OK? Ici, ça joue le rôle de conjonction de coordination. Et, et à toi seul, Nastainou, nous, Nasta et ça aussi, c'est nous. Ce mot-là, c'est nous. Attends, il y a mon truc-là qui chône ici, il faut que je l'arrête. Ah. On a terminé deux, deux sentences, c'est bon. Ça suffit largement, n'est-ce pas? <laughs> OK. 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 Ça, c'est un verbe. Ça, c'est nous. Ça vient de Nahnu. Nahnu, c'est nous. OK. Nahnu. OK. Nastainu. Okay? Nastainu, c'est... Euh, ça, c'est un verbe euh, qui est conjugué à un certain... À, euh, je pense à un temps précis et ça veut dire demander de l'aide demander de l'aide demander de l'aide nous te demandons de l'aide ok maliki maliki ça c'est le roi ok <laughs> maliki, yaoum yaoum le day, le day, digne du jugement digne okay? maliki le roi du jour du jugement il toi. À toi seul, toi seul, ça c'est K, ça veut dire toi. Toi seul, nous euh, euh, worshipons. Worship, comment on dit ça Nous, nous quand j'ai dit ça tout à l'heure, nous honorons certainement. <laughs> nous honorons. Nous, nous et toi seul, nous demandons de l'aide. C'est à lui seul qu'on demande de l'aide. Je me rappelle bien que l'imam ici a dit. Il faut penser, quand on dit le ori la souris, où est ce qu'est-ce que vous pensez À quoi vous pensez hein? ok Quand tu penses à autre chose, euh, si tu, un problème t'arrive, immédiatement, qu qu à quoi tu penses C'est ça. Quand un problème t'arrive, ne pense à personne. Immédiatement, c'est à Dieu qu'il veut penser. Oui. Et on va s'arrêter là, c'est terminé. You alone, on voit tout à toi seul, on demande de l'aide. C'est lui, il ne faut pas penser à, 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 à maybe Afana ou bien à euh, qui va venir tout le, le, le village. Non, 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 il faut penser d'abord à Dieu. Le problème c'est Dieu, c'est Dieu qui amènera les personnes qui vont qui t'aider. Vont Inch'Allah. Ok, on s'arrête ici. Il faut bien réviser ça pour demain. On a bien révisé. Je vais réviser ça très vite. D'un seul <ISSAG> Je n'ai pas dit Al-Rahman. Al-Rahman, parce que c'est un, une lettre euh, soleil. Elle a trop brillé. Elle a effacé le L. Rahman, Rahim, Maliki, Yaumitin, Ya, Kana, Boudou, Na. Budu wa Voilà. Zim. Que je nous aide à mémoriser ça. Hein? Voilà. Je vais arrêter l'enregistrement.